Africain, africaine, bonsoir. Ivoirien, ivoirienne, bonsoir. Noir de tout pays, du monde entier, bonsoir. Je fais ce direct, il est un peu tard. Il est 19h ici, donc ailleurs, en Côte d'Ivoire, en France, en Europe, le temps est beaucoup avancé. Donc je sais que plusieurs ne pourront pas suivre ce direct-là en direct, mais demain, plusieurs pourront en prendre connaissance. J'ai décidé de faire un direct maintenant parce que je viens de vivre une situation et j'aimerais faire un certain nombre de précisions. Je suis sur Facebook, c'est vrai que je m'amuse, mais je pense que Facebook est un véritable, un fantastique outil qui peut nous permettre de véhiculer des informations très importantes, qui peut nous permettre de nous faire des amis qu'on appelle virtuels. Mais moi, les contacts que j'ai sur Facebook, je considère que ce sont des êtres humains qui sont de l'autre côté de mon cellulaire. Tous ces gens qui sont en contact avec moi et qui me suivent, je leur dois du respect. Je leur dois de la considération. Et c'est ce qui me caractérise. Un certain jour du mois de juillet, le 21 juillet 2019, j'ai découvert un dessin animé où on nous traitait, nous les Noirs, de la chose la plus abjecte qui soit. C'est-à-dire que pour nous les Noirs, sur une chaîne de dessin animé pour enfants, ces gens-là considèrent les Noirs comme étant la dernière chose la plus mauvaise qui soit. Quand on a perdu sa beauté, quand on a perdu sa jeunesse, quand on est méchant, quand on est sorcier, quand on est noir. Ça avait réveillé en moi une colère à la Sundiata Keïta. Quelque chose en moi avait été touché, quelque chose dans mes entrailles avait été blessé. Et j'ai réagi par un direct. La suite, vous la connaissez. Mais l'insulte que je n'ai pas pu digérer m'a amené à faire une campagne que j'ai appelée la couleur des origines. Parce que oui, jusqu'à preuve du contraire, je suis très fière de ce que je suis. Je suis très fière d'être noire. Et pour rien au monde, je ne changerai. Alors, quand j'ai commencé cette campagne, de façon spontanée, il y a eu d'abord deux, un, trois qui m'ont envoyé leurs photos. Et c'est comme ça que c'est parti. Ça a pris une proportion qui m'a même dépassé. Du 1er août, pendant 2 semaines d'affilée, je ne faisais que ça. Et c'était un plaisir pour moi d'amener des femmes à s'exprimer. Un plaisir pour moi d'amener mes filles, mes sœurs et mes mamans aussi à s'exprimer, à être fières de ce qu'elles sont. Je suis contente de ce résultat aujourd'hui, jusqu'à ce qu'il y ait un article en ligne qui ait été fait à ce propos. C'est le désert de Didier Arafat qui a fait que j'avais mis une parenthèse. Mais j'aimerais faire une certaine précision. Quand les Blancs font des films, des dessins animés, que eux, Blancs, nous traitent de moins que rien, c'est acceptable, à la limite. Mais quand c'est entre nous-mêmes que le manque de considération vient, ça je n'accepte pas. Un blanc peut me traiter de tous les noms, c'est son droit. Mais je ne peux pas accepter qu'un noir comme moi vienne insulter quelqu'un. Parce que jusqu'à ce jour, j'ai reçu des centaines de photos. Et ces personnes ont décidé toutes seules de m'envoyer leurs photos. Et à ce titre, je leur dois du respect, de la considération. Et je ne peux pas accepter que quiconque vienne insulter une seule de ces personnes. Ce n'est pas un concours de beauté que j'ai organisé. Beaucoup sont belles, c'est vrai. On est tous fiers, mais ce n'est pas un concours de beauté. C'est un message qu'on est en train d'envoyer. Dire à ceux qui sont en face, qui nous considèrent comme n'importe quoi, comme des singes, comme je ne sais pas quoi, que nous sommes fiers de ce que eux ils croient rabaisser. Parce que la couleur de l'eau des origines, c'est nous qui l'avons. Je ne peux pas accepter qu'on insulte un seul de mes modèles, de mes libres modèles.
Parce que ces jeunes dames, ces hommes qui m'envoient leurs photos me font confiance. Je reçois leurs photos inbox et je les publie. Que ces personnes soient avec des perruques, que ces personnes soient avec quoi, ça c'est pas votre problème. En fait, je m'adresse à ces malpolis là. Je ne vais pas venir faire l'éducation de qui que ce soit ici. Mais je pense qu'il y a un minimum de courtoisie qu'on doit avoir entre nous, noirs. Parce que nous faisons un combat pour nous. Et jusqu'à ce jour, c'est nous-mêmes qui nous combattons entre nous. C'est pourquoi les autres ont toujours eu le courage de nous rabaisser. Parce qu'entre nous-mêmes, on se rabaisse. Ce concours, c'est pour les femmes noires, les femmes d'origine africaine. Mais dans nos villages, dans nos familles, il y a des gens qui sont clairs. Alors que des gens viennent trouver qu'un modèle se dépigmente, ce n'est pas votre problème. Parce que quand je reçois la photo, c'est moi qui décide de la publier. Alors si vous n'avez rien à dire, si vous avez du venin en vous, allez le déverser ailleurs. Si vous avez du venin en vous, allez le déverser ailleurs. Pas sur ma campagne. Je ne vais pas tolérer un seul commentaire encore mal poli, insultant, bête et inutile. Des commentaires qui trouvent que ces femmes sont belles, il n'y a pas de problème. Mais des commentaires qui vont venir parler de leur mèche, de leur maquillage, de leur ceci, cela, je vais supprimer le message purement et simplement. Parce que les femmes qui envoient leurs photos, les jeunes dames qui envoient leurs photos, elles ne perçoivent aucun salaire de qui que ce soit pour que des gens pensent qu'ils sont obligés de venir déverser leur sale venin là sur leur photo. Je ne peux pas accepter ça. Je n'accepterai pas ça. Pourquoi nous sommes comme ça? Pourquoi nous sommes méchants comme ça entre nous? Venir faire des commentaires idiots et puis croire qu'on est spirituel. Je n'accepte pas ça. Ces commentaires-là, je vais les supprimer et je bloque la personne qui fait ces commentaires. On n'est pas ici sur Facebook, on n'est pas pour ça. Si vous pensez que cette campagne-là, c'est n'importe quoi, moi, c'est pas n'importe quoi pour moi. C'est pas n'importe quoi pour moi. Parce que les personnes qui se dépigmentent, ce à quoi elles sont exposées, je me sens concerné. De savoir qu'une jeune fille de mon quartier, par exemple, va mourir d'un cancer à tous les coups parce qu'elle se serait dépigmentée, parce qu'elle aura mis du poison dans son sang, je me sens interpellé. Et cette campagne a pour but d'amener les jeunes dames à s'accepter, à s'aimer. Vos commentaires bêtes et idiots, méchants, inutiles là, je n'en ai pas besoin. Je n'en ai pas besoin. Ce n'est pas un concours de beauté. Je ne suis pas là pour accepter que quelqu'un vienne trouver que celle-là est vilaine ou bien celle-là est ceci, cela. Je n'accepterai pas ça. Donc, je fais ce direct-là pour que ça soit clair. Deux personnes viennent de faire des commentaires sur une des photos que je viens de publier. Je n'accepte pas ça ni aujourd'hui ni demain. Non. Je parle de couleur de peau. Une personne qui est claire naturellement peut participer. Même des gens qui sont blancs peuvent venir participer. J'explique tous les jours que cette campagne n'est pas seulement pour les personnes foncées. Toutes celles qui se sentent concernées par cette campagne envoient sa photo, je publie. Femme comme homme. Mais des gens qui se prennent pour des spirituels ou je ne sais pas pour je ne sais quoi derrière leur clavier et puis qui viennent vomir leur venin là, je ne vais plus jamais accepter ça. Parce qu'on essaie d'expliquer, j'essaie d'être patiente. Mais les commentaires insultants sur les photos de ces personnes qui envoient leurs photos de façon libre, je ne vais pas accepter ça ni demain, ni aujourd'hui, ni demain. Il faut que ce soit clair. Dès que je raccroche là, parce que ça m'a tellement énervé que j'ai dit, il faut que je fasse un direct. Je vais aller supprimer ces gens-là et je les retire de mes contacts. Purement et simplement, quand on soit ami avec moi, Marie Boané, là, ça n'apporte rien de particulier dans la vie. C'est parce que ce réseau social existe, on est là pour se faire des amis. Demain, on peut rencontrer des gens. Moi, j'ai rencontré plusieurs personnes que j'ai connues sur Facebook qui sont aujourd'hui, qui font partie de ma famille aujourd'hui. Donc, je respecte les gens. Non, ça m'énerve. Griffith, ça m'énerve parce que des noirs comme moi viennent faire ce genre de commentaires sur des photos de leur sœur noire. Je ne peux pas comprendre ça. Je ne peux pas comprendre ça et je ne peux pas accepter ça. On est toujours en train de dire qu'on est méchant entre nous, mais on va venir le démontrer encore dans une simple campagne bénévole. Où on fait juste pour s'amuser.
Mais en même temps, on envoie un message clair aux autres qui se sentent complexés. D'autres vont venir insulter ces filles-là dedans. Pourquoi? Et on fait des commentaires et puis on rit. Pourquoi? Et puis moi, je prends les photos de ces filles-là, je les publie. Et si la personne voit la photo, elle voit sa photo avec ses commentaires insultants et ses rires. Et puis je ne réagis pas. J'ai l'air de quoi? C'est pas sérieux. Alors je ne peux pas accepter ça. Quand je finis le direct là, je vais aller supprimer ces deux personnes. Je leur ai dit d'abord ce que je pense de leurs commentaires. C'est bête, c'est inutile, c'est méchant. Et ça n'apporte rien à la campagne. C'est pas un concours de beauté. C'est ce que j'avais à dire. Parce que j'étais pas content. J'ai voulu faire une publication écrite comme ça. J'ai dit non, il faut que je fasse un direct pour venir le publier. Si cette campagne, ça ne vous concerne pas, passez votre chemin. Vous n'êtes pas obligé. Facebook, là, il y a beaucoup de choses qu'on publie. Mais je prends ça là, avec tellement de sérieux, cette campagne, la couleur des origines, là, je prends ça avec tellement de sérieux que je ne peux pas accepter qu'on vienne déverser du venin dessus. Venin en plus de noir. Quand les gens font leur campagne de leur publicité, puis ils nous traitent de singes là, vous ne voyez pas ça? On traite nos frères sur le terrain, quand ils sont en train de jouer, les gens crient comme des singes, on jette des pots de bananes sur les stades là. Ça vous fait rien? C'est entre nous encore, vous allez venir insulter vos soeurs? Vous avez besoin de désintoxication? Méchanceté gratuite, ça vous donne quoi? Qu'est-ce que ça vous donne? Merci beaucoup à vous qui m'avez écouté. J'avais besoin de vraiment de déverser ça. C'est pas sérieux. On va jamais s'en sortir. Hein? C'est quoi ça? Les filles, les gens m'envoient leurs photos inbox. Je les vois et puis je les publie. Elles ont les perruques, elles ont les tissages, elles sont maquillées, elles ont les quoi. Je vois ça et puis je publie. Parce que l'objectif, c'est pas de parler de mèches ni de maquillage. Mais de la peau. Moi, venez faire des commentaires pour insulter les gens. Pourquoi? Merci beaucoup. J'avais vraiment besoin de faire cette précision-là. Le seul commentaire un peu qui glisse un peu, je supprime le commentaire et je supprime la personne de mes contacts. Je la bloque. Parce que la campagne-là, moi, c'est très, très, très sérieux pour moi. Je prends ça vraiment avec beaucoup de sérieux. Et j'ai mis beaucoup d'énergie dedans. C'est pas parce que je m'ennuie. Je travaille comme tout le monde. Je me lève le matin, je vais au travail. Et puis quand je viens le soir, je fais ça. Même quand je suis au travail, que je reçois une photo, que je suis à ma pause, je publie. Parce que je prends ça avec beaucoup de sérieux. Si vous n'avez pas de fierté d'être des Noirs, dégagez de la campagne. Parce qu'il y a d'autres personnes, des personnes âgées, il y a des femmes plus âgées que moi qui m'ont envoyé leurs photos. Alors vos commentaires pleins de venin, de méchanceté là, gardez-les pour vous, avalez-les. Puis faites ce que vous voulez avec ça. Merci beaucoup.